le retour de la carrière de Jabal el-Silsileh à pied jusqu'au bateau. On est au bord des Nils. Attention, hein. Un passage qui n'est pas facile du tout. Il faut faire attention. Normalement, le bateau, ils arrivent en face de la carrière, mais notre bateau est arrêté bleu loin. On a fait l'aller et le retour à pied, presque 3 km. Ça, c'est des roseaux, Christiane, des roseaux, Christiane. Voilà. Ça, c'est le roseau. La plante sacrée qui était un motif sacré, un symbole d'Osiris. Selon la légende d'Osiris, quand Seth le méchant, il a déchiré les corps d'Osiris en 14 morceaux. Et les morceaux étaient emballés par Isis dans le roseau. Voilà. Et cet arbre, on l'appelle le lait de l'eau. Le lait de l'eau. Regardez. Qui produit quelque chose comme une boule. C'est l'acacia du Nil avec des fleurs jaunes. L'acacia du Nil. J'ai un groupe de 6 femmes sympathiques. Regardez, et sportifs. Ils aiment beaucoup marcher, ils aiment les randonnées. Oui. Ils ont l'habitude de marcher. Ça, le roseau toujours. Et à notre gauche, c'est la carrière de grès. Une partie de la carrière de grès, c'est une carrière immense de 20 km carrés. Le paysage au bord des Nils, magnifique. Tranquille. Okay. La caille du Nil. Ah, on voit ici l'ébis noir avec un bec courbé. On les voit rarement. Un oiseau émigrateur. On peut monter d'ici sur blé, doucement. Voilà. Les vaches tachetées.